Est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour vérifier si un billet est vrai ou faux? Pour l'instant, je t'invite à cliquer sur j'aime. Là. T'empruntes un billet de 5 à quelqu'un. Ou un billet de 10, ou un billet de 20. Mais le mieux, c'est le billet de 5. Tu prends de la poudre magique. Tu mets sur le billet. T'en prends un peu pour toi. Plie en 2, en 4, en 8, en 16, condensation de la matière et l'atome. Et après, il n'y a plus qu'à déplier. 100 euros ou 3000 euros. C'est vrai que l'illusion est, c'est un tour très visuel. Je le reconnais. J'aime bien ce tour. Voilà. Mais, est-ce que vous savez vraiment comment on fait pour vérifier s'il y a un billet condensation de la matière et l'atome en 16 et après il n'y a plus qu'à déplier? Est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour vérifier si un billet est vrai ou faux? Non? On se retrouve tout de suite pour la limitation du billet. C'est parti. Et nous revoici en live. Bon, je vous fais le billet de 3000. Et puis après, je vous fais la lévitation du billet comme prévu. Hein, puisque je vous l'ai dit juste avant. Et voilà. Nous avons notre billet de 3000 euros. Ok? Ce qui est bien, c'est qu'on va... En fait, je vais vous expliquer un truc. Je ne sais même pas comment c'est possible. Hein, ça se fait tout seul. C'est un truc de ouf. C'est génial. Ok. On a notre billet de 5. Okay. Là, je vais prendre un billet de 20 et je vais tenter de faire léviter le billet. Je sais pas si tout le monde voit bien, mais le billet est au milieu des mains. Hein.